Allez! Let's go! Disco. Il en manque encore quelques-uns. Genre les mêmes? Manuel qui est pas là, qui a dit qu'il était sur Discord, il a un problème avec sa petite fille. Ouais, comme d'habitude, quoi. Je crois qu'il avait posé deux jours en forme malade. Non, mais il a pas posé la semaine. Que trois jours maximum, en fonction des conventions. Ah oui, ça dépend de la convention, mais bon, quand c'est la fonction publique, t'as droit à 5 semaines de jours en forme malade, sans carence, évidemment. En forme malade, t'en poses un, par contre, t'en as deux de plus. Mais oui. Bravo, tu l'as tourné. Et puis les deux derniers, tu te mets en télétravail, et bon, voilà. De toute façon, t'as rien à faire, donc... T'es à la télé. Voilà, c'est travailler avec la télé. Alors, qui c'est qui est volontaire ce matin? Tant que ça? On a les bonnes habitudes. Alors, un chiffre entre 1 et 14. Tourner la roue. On fait tourner la roue. Le 9. De moi. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Bien, voilà. Il y en a une qui est polie. Bonjour Pierre-Louis. Alors. Du coup, hier, on a fait un petit historique de l'histoire de Windows. Où tu nous as dit que ça avait vraiment changé à l'arrivée de Windows 2000 et de Windows 2000 Server. Tu nous as dit que les versions familiales ne pouvaient pas rentrer dans le domaine Active Directory. Ensuite, on est parti sur Hyper-V. On a commencé à... On a créé un nouveau client où on a fait l'installation complète depuis le début pour voir comment on pouvait faire les partitions, voir que le système se réservait des morceaux de partition au cas où on ait besoin de certains programmes par la suite, notamment BitLocker qui permet de chiffrer les données. Ensuite, on a utilisé l'application DiskPart pour essayer pour enlever la partition de récupération. Et après, on a vu qu'on pouvait renommer les disques durs comme on voulait. Pour faire les partitions, on a vu qu'on devait formater le disque et on a vu qu'il y avait plusieurs formats de formatage. Il y a le FAT16 qui commence à être un peu vieux et qui va disparaître. La taille maximale c'est 4 gigaoctets. Après on a le FAT32. Où la taille maximale sous Windows c'est 32 Go, mais sous Windows 11 maintenant c'est 2 Tera. On a vu le NTFS qui est un format créé par Microsoft. Alors là. Non, c'est les chiffres. Ça souffle plus là. Mais alors là, il n'y a plus de bruit là. Là, c'est en passant.
Ah, ils écoutent rien, c'est pas vrai. Mais les mecs, ils sont là, ils font rien. Encéphalogramme plat. Je suis en train d'essayer de me souvenir de ce que j'ai fait. Dans leur tête, il y a le singe là avec les cymbales. Hein? Quoi? Ah, tu parlais? Pardon. Putain, c'est pas possible. Ouais, l'écoute active. Ah oui, l'écoute inactive. Je crois. C'est beaucoup d'octets, c'est beaucoup d'octets. Je sais que c'est beaucoup, mais je ne me souviens plus des chiffres exacts. C'est pas grave. C'est des terras ou des hexacotés. C'est 267. La valeur n'a pas vraiment d'importance. Ça a de l'importance si tu travailles dans une société de stockage où il faut faire des partitions qui font plusieurs terras, dizaines de terras, péta, hexaoctets. Là, il faut se poser la question. Dans ton quotidien, non, savoir que c'est quelques. Allez. Des centaines de terras, voilà, on est au-delà de ce qu'on peut appréhender en tant que petit être humain. Ah, ça c'est très bien ce que tu fais. Ça s'appelle créer des accroches dans la mémoire. C'est, tu dois te souvenir de quelque chose, mais tu triches pas. Tu regardes pas le papier. Tu vas chercher dans ta mémoire. Enfin, j'essaie de le visualiser, le papier. Voilà. Mais peu importe. Tu utilises la méthode que tu veux. Mais en faisant ça, tu crées une accroche. Ça veut dire que ce souvenir, tu t'en souviendras mieux. Mm. Tu apprendras mieux les choses comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas tricher. Faut pas que je souffle trop. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas te faire mettre ta grande gueule. Je l'ai pas dit, mais... Tu regardes ça là. Oui. Bon, je l'ai plus, il vient plus. Si je te demande les trucs en plus du NTFS, pourquoi que le NTFS c'est mieux que les autres? Bah, déjà parce qu'il est, vu qu'il est de Windows, il est popularisé plus par tout ce qui est utilisé par Microsoft. Oui, mais alors ça, là t'es en train de me parler de l'écosystème fermé, et on en a discuté hier, les écosystèmes fermés c'est de la merde. Mm. Donc non, ça c'est pas un argument pour, ça c'est contre. Allez, j'en veux un seul. Oui, j'ai le mot, mais j'ai plus jusqu'à après, c'était ACL. Eh ben voilà, eh ben oui, ça c'est très bien ça. Oui, mais je sais plus... Tu sais pas du tout à quoi ça sert les ACL? Ben, je l'ai bien. Bon alors, autre question. Ça sert à quoi les ACL? C'est des aides qu'on touche, non? C'est pas ça? C'est des aides qu'on touche. les APL. Ah, et les presque. Mais non. Non, pas du tout. Ah, peut-être les lettres. T'as une idée de ce que veulent dire les trois lettres, ACL? C'est Access Control List. Bah super. Bon alors, il n'y a plus qu'à traduire. Mais attends, je suis en train de refaire le truc. Tu fanfaronnes là? Non mais tu fanfaronnes là. Bon alors, je suis fou. C'est ce qui permet toi demain tu passes là. De contrôler les permissions. Et puis aujourd'hui je vous dis, c'est que du truc technique. Et ça sera que ta faute. Ah, ce sera toute ta faute. Mais vous quand vous suivez, c'est n'importe quoi. Les permissions d'accès au fichier. Et bah voilà, tu vois. C'est le temps que je le remette. Et bah nickel. C'est exactement ça. Exactement ça. Les deux trucs en plus, mais c'est pas le plus important, c'était quoi, cher public? La compression. La compression automatique et, chiffrement. Et le chiffrement. À la volée. Dans les deux cas d'ailleurs, je vous l'ai pas dit hier pour le chiffrement, mais c'est à la volée aussi. Hein. Le fichier il est stocké chiffré, on double-clique dessus, ça le déchiffre en temps réel. Et puis ça se rechiffre quand on le fait. Mais c'est, je radote, hein. Je radote un peu, moi c'est... Comme j'ai pas une écoute active permanente de tout le monde, faut que je répète plusieurs fois pour essayer de choper tout le monde, tu vois. Statistiquement, je suis obligé de répéter. C'est obligé. Très bien, mais c'est pas mal. Allez, un petit... Ça c'est juste pour me faire plaisir. Quand on a initialisé les disques hier, il y avait le MBR et GPT. Et je vous avais dit, la différence entre les deux, c'est quoi? Que le GPT c'est pour des trucs plus récents et plus gros surtout. Surtout plus gros. Est-ce que tu as le chiffre de la grosseur? C'est pas 2 Tera. C'est 2 Tera, c'est ça. La bascule se fait à 2 Tera. Pour plus de 2 Tera, il faut du GPT obligatoirement. Donc évidemment, comme c'est plus de 2 Tera, bah, c'est plus récent que les listes de moins de 2 Tera, forcément. Ça va avec. Vous avez noté des incohérences? Ah oui, mais personne n'a écouté. En fait. Si, toi, t'as écouté. Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Non, je dis qu'il était bon, il était chaud. Il était chaud. Il a un palais mental de fou. Est-ce qu'il se souvient de
Ah bah, apparemment, t'es chaud. J'ai chaud. Bah, ah, bah, c'est peut-être pour ça que t'es chaud. Il y a peut-être un lien. Bon, bah, c'était très bien. Bravo. J'espère que tu feras aussi bien demain, toi. Ouais, non, sauf que non. Des bâtons dans les roues, je sais. Des bâtons dans les roues, est-ce que c'est mon genre? Bon, d'abord, oui. Ah, bah oui. Ah, moi, j'adore les mecs qui fanfaronnent. Mince! J'ai oublié la question surprise. Bon, c'était tellement bon que t'échappes à la question surprise. Il en aura deux demain. C'est pour ça que j'écoute pas, parce que quand j'écoute, après je parle. Après, quand je parle, tu me défonces. Comment ça, je te défonce? Petit Calimero. Oh là 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 là. Mais ça, c'est les commerciaux, toujours, jamais leur faute. Ah ouais, c'est pas moi. C'est lui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui. Oui. J'ai pas bien compris le deuxième mode de. Le deuxième mécanisme pour éviter les plantages. On avait dit mémoire vive. Et après, on avait évoqué le gestionnaire de l'air virtuel. Alors là, c'est la même chose. Il y a deux mécanismes. Il y en a un qui protège le processeur, et il y en a un qui protège la mémoire. Alors celui qui protège le processeur, si j'ai bien compris, il va faire des priorités. Oui. Il va prioriser le système avant les applications. C'est ça, voilà. C'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est surtout le deuxième, en fait. Celui qui protège la mémoire. Ouais, j'ai pas... J'ai relu mes notes et j'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui. Tu peux lui expliquer? Le gestionnaire de mémoire virtuelle, c'est quelque chose qui fait croire à chaque application que toute la mémoire est pour elle. Et qui, après, lui, fait le tri. En gros, toi, t'es Word, tu t'ouvres, le gestionnaire de mémoire virtuelle, tu dis, j'ai 32 gigas pour toi. Excel, il s'ouvre, il dit, j'ai 32 gigas pour toi. Il va pas tuer 32 gigas, il va tuer, je sais pas moi, 3 gigas. Lui, après, le gestionnaire, il prend l'application, il la met dans le vrai disque quelque part. Comme ça, quand l'application elle s'ouvre, elle redemande les trucs, lui, il va chercher où elle a besoin. Tu vois? Elle pense qu'elle a tout la mémoire pour elle. Elle pense qu'elle a toute la mémoire pour elle. Elle a dit, j'ai par exemple. Moi, de ce que j'ai compris. C'est ça. En gros, elle va venir, il va dire, bon, bah, t'as l'emplacement 22 dans la mémoire, toi. Elle va venir, elle va dire, moi, je veux mon emplacement 22 de 32 gigas. Lui, le gestionnaire, il prend son emplacement 22 qui était fake. Il va récupérer vraiment son emplacement qui est. 56. Dans la vraie mémoire, dans le vrai disque. Comme ça, en gros, il n'y a pas de conflit. Parce qu'avant, il y avait un conflit. Enfin, avant, je sais pas si c'est. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Avant, il y avait un conflit. En gros, Word, il s'ouvrait. Tu n'utilisais plus Word, tu ouvrais Excel. Et quand tu ouvrais Excel, il s'ouvrait dans la même place que Word. Le 22. Tu voulais réutiliser Word, il disait, ben non, ma place est déjà utilisée par une autre application. Là, c'est plus le cas, parce que le gestionnaire, il fait le taf à la place de tout le monde. Il fait croire à tout le monde qu'il a tout à bien pour lui. Donc si je comprends bien, il utilise la mémoire du disque pour faire croire à l'application que c'est de la RAM. Alors surtout, non. Pour faire croire à l'application, c'est qu'il utilise des adresses différentes. Okay. C'est comme si tu disais, je vais essayer un autre exemple, d'accord? Tu dois stocker des trucs dans des casiers. Ouais. Tous les casiers sont numérotés, de 1 à 100, il y a 100 casiers. Tu dois mettre tes affaires dedans, toi tu dis, bah, je vais prendre mes affaires, je vais les mettre dans le casier 22. Tu mets tes affaires dedans. Comment c'était avant? Tu as mis dans le casier 22. Quelqu'un d'autre a besoin de casiers. Il y a 100 casiers. Ils sont pleins. Il va prendre le casier 22. Il y a tes affaires. Il prend tes affaires, il les enlève. Il les met par terre. Et il met ses affaires à la place. Toi, tu veux réaccéder à tes affaires. Tu vas dans quel casier? 22. Sauf qu'il y a les affaires de quelqu'un d'autre dedans. Et ça fait un conflit. Avant, ça faisait tout planter. Avec le gestionnaire de mémoire virtuelle, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pour dire Word, il a besoin d'écrire dans la mémoire vive. Il y a le GMV, il est devant lui. Il est dans un comptoir. Il dit, vous voulez des affaires? Tenez, vous avez le ticket du casier 22. Oui, vos affaires sont dans le casier 22. Sauf que le gestionnaire de mémoire virtuelle, lui, il trie. Il dit alors, Word, il y a de la place où? Casier 53. Ok, bah, casier 53. Il met dans le casier 53. Il y a Excel qui arrive derrière. Excel, il arrive. Bonjour, je voudrais mettre mes affaires. J'ai dit qu'il y avait 100 casiers. Pour Excel, ça commence à 101. Excel, il a les casiers de 101 à 200. Bah lui, il aura un ticket 131. Bon, bah il a un ticket 131. Après, c'est le gestionnaire de mémoire qui mettra les affaires dedans. Peut-être dans le même casier, il va les vider, il va se démerder après. Le gestionnaire de mémoire virtuelle, c'est lui qui répartit les affaires dans les 100 casiers. Mais ce qui va se passer, c'est quand Word et Excel veulent réaccéder à leurs applications, Word, il a un ticket numéro 22, et Excel, c'est 100
J'avais dit combien ? C'est pas la même adresse. Donc leurs requêtes, leurs demandes, sont dans des espaces mémoire séparés. Mais il y a cette notion de mémoire RAM aussi. Oui, mais non, mais les casiers, c'est la RAM. Hein. Les casiers, c'est la RAM. Les casiers, c'est la RAM. J'ai 100 de RAM. Ok. Chaque octet de RAM a une adresse pour aller écrire dedans. Okay. C'est ça, la différence essentielle qu'il y a entre avant et le mode protégé, c'est que les requêtes des applications sont faites à des adresses mémoire différentes. La première application, elle a les casiers de 1 à 100. La deuxième application, elle a de 101 à 200. La troisième application, elle a de 201 à 300. Donc quand elle veut aller lire et écrire dans ses casiers, la troisième application, tous ces tickets, c'est du 200 quelque chose. Donc t'imagines si les applications parlent entre elles, et il y en a une qui fait, t'as un ticket combien toi? Ah, t'as le 51, 52. Ah, bah moi j'ai 131, 134, et lui il a quoi? Il a 207, 208. On est tous à des adresses différentes. Donc quand on balance nos requêtes de lecture et d'écriture dans la mémoire, c'est jamais dans les mêmes casiers. Donc il n'y a pas de conflit. Et il envoie 32 Go par application. C'est ça. Il simule à chaque fois la quantité de mémoire vive. Oui. Quand est-ce que le GMV se dit, là je vais passer dans la mémoire virtuelle? Ah bah c'est quand il se retourne. Il y a une quatrième appli qui se lance. Il lui dit, bon, je donne l'étiquette de 401 à 500. Puis il se retourne dans les casiers, il fait, ah merde. Putain, tout est plein. C'est pas grave. Je vais libérer. Ça, c'est. Il y a quoi dans ce casier-là? C'est l'appli 1 là? Non, mais l'appli 1, ça fait 10 minutes qu'il n'est pas revenu. Bon, mais il n'en a pas besoin alors. Je prends ça, je pars ça par terre. Là, il le mettra dans la mémoire virtuelle. Et c'est ça, la principe de la mémoire virtuelle, c'est enlever des casiers, stocker sur le disque dur en fait. Et là, il met l'application 4 dans le casier 22. Ça sera limité quand même, parce que si d'un coup, bien sûr. La cinquième. L'application arrive et elle est ultra de bien sûr. Bah, il y a à un moment donné, si jamais tu fais trop ce genre de choses, t'as un joli message qui te dit la mémoire virtuelle est saturée et ton logiciel ne peut pas se lancer. C'est limité, on peut le faire. Bien sûr, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. La mémoire virtuelle peut pas faire j'ai 8 gigas de RAM. Bon, allez, on va simuler 16 téra de RAM. Ça passe. Ça, bah non, ça passe pas. Ça passe pas, il y a une limite au système. Donc si je comprends bien, Christophe, parce que vraiment cette notion elle est dure, hein, en tout cas pour moi. Et il va prendre un fichier, va le stocker dans un emplacement précis, oui. Et va lui attribuer 32 gigas RAM virtuel. Alors là je comprends pas quand tu dis il prend un fichier. Comment ça il prend un fichier? Il va stocker un fichier. Même moi je sais pas expliquer. Alors il faut se poser la question, comment fonctionnent les logiciels? Parce que là, on est en train de parler du fonctionnement des logiciels. Oui. Il a donné l'exemple, tu lances Word. Oui, je lance Word. Qu'est-ce qu'il fait, Word? Le logiciel Word. Oui. C'est un exécutable, mais pas que. Il lance plein de processus, il fait des calculs. Et il doit les stocker quelque part quand il fonctionne. Oui. D'accord? Ok. Et Christophe, donc, c'est le GMV? Non, toujours pas. Non, mais ah, je le vois toujours pas. Non, c'est... Est-ce que avec les... bon, l'exemple des c'est peut-être pas bon l'exemple des casiers. Ce qui déstabilise, c'est un peu cette mémoire RAM virtuelle où il fait croire. Non, mais la virtuelle. Mais virtuelle, c'est pas genre. Comment ça qu'il fait croire? Mais c'est une. Alors, le problème, c'est l'adressage. Pourquoi il y a cette protection? C'est l'adressage. Parce que les logiciels, ils doivent lire et écrire dans la mémoire vive. Ouais. Concentre-toi que sur la mémoire vive déjà. Mais il envoie 32 gigas de mémoire vive à chaque application. C'est pas il envoie. Il fait croire à chaque application qu'elle a 32 gigas de RAM. Parce que quand les logiciels démarrent, elles doivent écrire dans la mémoire. Bon, comment elles font pour écrire dans la mémoire? La mémoire, c'est du stockage. C'est, tu te souviens du fichier Excel que j'ai donné hier, la grille? Mais c'est ça. On va lui dire, tu as tant de cellules dans lesquelles tu peux écrire. Mais qui dit ça? C'est Windows qui s'en occupe de ça. C'est Windows qui va découper la mémoire dans une grille, il y a des coordonnées dans toutes les cellules, et il va dire, si tu as besoin d'écrire, t'écris là-dedans. Tes 0 et tes 1, tu vas les stocker là-dedans. Ça va, ça? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Chaque cellule a des coordonnées. Il faut aller lire et écrire dedans. Donc l'application Word, elle dit, je vais mettre mes 0,1 dans la cellule B3, B4, B5, comme on l'avait fait sur le disque dur. Hein. C'est la même chose dans la mémoire vive. Elle écrit dans B4, B5, B6. Ça, c'est la mémoire réelle.
Les applications, elles écrivent dans la mémoire. Elles lisent dans la mémoire, à des adresses. Ça, ça va ? Ouais. Bon. Mais t'imagines, avec le gestionnaire de mémoire virtuelle, le gestionnaire, il dit, pour l'application 1, tu as les colonnes A, B, C, D. Tu as A, B, C, D. Jusqu'à 1 million. Donc, tu as 4 millions de lignes pour toi. Tu as 4 millions de cellules. Quand la deuxième application se lance, elle aura les colonnes. Donc, la première, c'est A, B, C, D. La deuxième application, c'est c'est ça. Mais elle a 4 millions de lignes aussi. Elle a la même quantité. Etc, etc. Mais ça, c'est juste les adresses à laquelle tu envoies tes requêtes. Derrière, il y a juste 4 colonnes. Simplement, c'est comme si tu avais deux feuilles Excel l'une derrière l'autre, si tu veux. Chaque application, quand elle se lance, elle a sa feuille Excel à elle. Elle a ses colonnes à elle. Et elle écrit dans ses colonnes. Mais derrière, tout se remet dans une vraie mémoire. C'est l'adressage dont s'occupe le GMB. C'est un tout petit truc. La mémoire virtuelle, c'est après ça. La mémoire virtuelle, c'est un autre mécanisme. La mémoire virtuelle, c'est quand on n'a plus de place dans la mémoire réelle. Quand justement, ta vraie mémoire, c'est 4 colonnes Excel, point. T'as pas plus, ça c'est ta RAM. C'est ta vraie RAM. T'as que 4 colonnes et 1 million de lignes, t'as pas plus. Quand toutes tes cellules sont pleines, qu'est-ce qu'on fait ? Et avant, vraiment première version de Windows, tu pouvais plus lancer de logiciel. Tu voulais lancer un quatrième logiciel, mémoire vive, pleine. On ne peut plus lancer de logiciel. Donc ils ont inventé la mémoire virtuelle, où ils ont triché, ils se sont dit, dans toutes mes cellules Excel, dans mes 4 colonnes réelles, il y a peut-être des données qui ne sont pas utilisées par des applications. Genre une application que tu as lancée, et puis elle ne fait rien. Elle n'est pas utilisée. Dans ce cas-là, le principe de la mémoire virtuelle, c'est déplacer ces données sur le disque dur, pour libérer de la mémoire réelle, pour que d'autres applications, une nouvelle application, puisse écrire dans la mémoire réelle. Et avant, ce qui se passait, c'est que les adresses utilisées par toutes les applis, c'était les mêmes, vu qu'il n'y avait que 4 colonnes. Donc, il pouvait y avoir des conflits de mémoire. Des conflits de lecture d'adresse mémoire. Tu avais deux applications qui voulaient lire au même endroit. Et ça, ça foutait la merde. Donc, pour éviter ça, on a créé le gestionnaire de mémoire virtuelle. C'est mieux avec Excel ou... Ouais, il faut que je regarde... Non. On pose ce week-end. Non, c'est pas mieux. Hein. Non, mais je vois bien, c'est pas mieux. Hein. Non, mais moi, c'est le GMV qui gère le fichier d'échange. En fait, il mélange les deux systèmes. Oui, c'est lui qui s'occupe de tout. Ouais. Parce qu'il faut que ce soit lui qui déplace et qui remette dans la mémoire réelle. Et quand on démarre Windows, il y a déjà un fichier d'échange. Il crée tout de suite un fichier d'échange. Mais pourtant, il y a plein de mémoire vive. Quand on démarre, plein de mémoire vive libre. Tu connais l'avenir ? Un fichier d'échange. Tu connais l'avenir ? Est-ce que tu connais l'avenir ? Non. Eh bien, les développeurs de Windows non plus. Et ils ont dit, oui, il y a plein de mémoire au démarrage. Alors d'abord, c'est sûr qu'il y a plein de mémoire ? Parce que tu connais l'intégralité de la configuration en mémoire de l'intégralité des ordinateurs Windows du monde ? Tu la connais ? Non. Eux non plus. Donc ils se sont dit, vu qu'il y a peut-être des ordinateurs où il n'y a pas beaucoup de mémoire vive, on va mettre un fichier d'échange par défaut. Comme ça, tout le monde en a un. Ce que je veux dire, c'est qu'il est déjà plein de choses, finalement. Il est déjà plein de choses. Le fichier d'échange est déjà assez important. Il a déjà une taille, il se rend compte tout de suite au démarrage. D'ailleurs, pas du tout. Il n'y a rien de tout dedans. C'est de l'espace réservé. D'accord. Non. Il fait une certaine taille, mais il est vide. Okay. C'est réservé au cas où t'en aies besoin. Enfin, comme ça, il y a la place. Parce que sinon, imagine ton disque dur, il est plein. Ton fichier d'échange, il est vide au début. Il veut grossir. Il n'y a pas de place. Il ne sert à rien. Okay. Je vois bien que c'est non. Hein. Attends, j'ai mis une définition. Tu me dis si... Vas-y. J'ai mis que c'est une technique utilisée par les systèmes d'exploitation donc pour éteindre la capacité de mémoire de l'ordinateur. Non ! Mais t'es en train de parler de quoi, là ? De la gestion de mémoire virtuelle. Non ! Ça sert pas à étendre la capacité de mémoire de l'ordinateur. Ça sert à éviter que les applications utilisent les mêmes adresses mémoire.
Donc c'est juste une question de stockage. C'est oui, parce que la mémoire, c'est du stockage. Donc oui, c'est une question de lecture et d'écriture dans des adresses de stockage. C'est cette question-là. Éviter des conflits de place. Des conflits. Mais oui, c'est pour éviter des conflits d'adressage. Tu es allé voir sur Wikipédia un peu ? Bah, ça, c'est la définition de copilote. Ah, essaye d'aller voir Wikipédia plutôt. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux pas te laisser comme ça là. Je vois la TR. Ah, il y a peut-être des gens qui en parlent vachement mieux que moi. Christophe, tu vas-y. La mémoire virtuelle est une fonctionnalité d'un système d'exploitation. Arrête, non. Ah putain, mais c'est pas. Arrête, mais. Allez, bon, finis là. La mémoire virtuelle, vas-y. C'est ça le truc, c'est que le copilote et les autres, ils disent toujours la même chose. Vas-y. La mémoire virtuelle est une fonctionnalité d'un système d'exploitation qui permet à un ordinateur de compenser le manque de mémoire physique en transférant temporairement des pages de données de la mémoire vive. Stockage sur... Ça, c'est la mémoire virtuelle, oui. Mais c'est pas ça qui te pose problème. C'est le GMV qui te pose problème. Il faut que tu vois, il y a deux mécanismes différents. Je vais faire un dessin. Non, je vais faire un dessin. Ouais, t'as des trous. Comment ça marche, ce truc là ? Je tente. Tu regardes ce que je dessine ? Ouais. Ça, c'est la RAM. Ouais. Ok ? Ouais. 32 gigas de RAM. Ouais. Jusque là tout va bien ? Oui. Elle est divisée en adresse mémoire. D'accord. Ta mémoire vive. Il y a des boîtes, il y a des paquets, il y a des cellules, il y a ce que tu veux. Donc ça c'est la cellule, voilà, c'est la C1, C2, C3, C4, C5, C2, C32. Enfin, il y en a des millions, hein, il y en a des millions. Quand une application a besoin de stocker dans la mémoire vive, elle écrit dedans. Voilà. Elle stocke ses data dans la mémoire vive. Jusque-là, ça va ? Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que la requête, on va dire que sa destination, c'est la cellule A1, ou la cellule A2, ou la cellule A3. Elle écrit dedans. Une deuxième application se lance. D'accord ? Elle écrit aussi dans ce qui est disponible. Donc, elle écrit l'application 2, elle se lance, le système, il écrit aussi dans la mémoire, etc. J'ai une troisième application qui se lance. Il n'y a plus de place. Elle ne peut pas se lancer. Pour éviter ça, d'accord ? On a mis en place, je l'ai dessiné là, ça c'est le disque dur. D'accord ? La mémoire virtuelle, c'est ce que tu m'as dit. Oui. La mémoire virtuelle, c'est un système qui permet d'augmenter virtuellement la mémoire réelle. En déplaçant les données des applications qui seront dans la mémoire réelle sur le disque dur. Donc ça le déplace. Donc je vais dire voilà, ça. Donc j'ai des données qui sont déplacées ici. Donc j'ai les data de l'application A1, A2 et A2. Voilà. Il y a des data qui ont été mis là. Ça a libéré la place pour l'application 3, qui peut aller écrire là-dedans. Jusque-là, ça va ? D'accord. Avant, le problème, c'était que quand l'application 2, elle voulait aller relire, la requête était à destination des cellules qui étaient ici. C'était l'application 2 qui était là, hein, dans C5 et dans C6. Donc elle veut aller lire le contenu de C6. L'application 3, elle est en train d'écrire dans C6. Tu as deux applications, l'application 3 et l'application 2, qui veulent accéder en même temps au même emplacement. Conflit, plantage,
tout redémarre. Et ça, c'est la merde. Donc, pour éviter ça, on a mis en place, donc dans les systèmes 32 bits, le gestionnaire de mémoire virtuelle qui, lui, il va simuler des espaces d'adressage différents. Donc, il va dire pour l'application 1 quand elle se lance, elle lui dit, tu as de C1 jusqu'à C32. Juste pour savoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu as eu l'info pour Manuel? Il est à distance aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon, il avait posé ses jours en forme malade. Il a posé la semaine. Et puis après, je crois qu'il en récup vendredi. Donc, ouais, vraiment, il est bon, là. Bah, je suppose qu'on le revoque la semaine prochaine, hein. Disons, on a dit qu'il venait demain. Et mais je suis là, hein, vous inquiétez pas. Oui, moi aussi je suis là, ouais, c'est ça. Donc, il dit de C1 à C32. Ouais. Donc, il a simulé un espace de C1 à C32. Pour la deuxième application qui se lance, il fait bah, de C33 jusqu'à... Alors, tu rajoutes 32 à 32, attention. Ouais, ok, donc 64, ok. De C65 à C... C'est 97. Voilà, 97, voilà. 97, allez si tu veux. Bon, je m'en fous, c'est pas grave. Donc ça veut dire que quand ton application 1, elle allait mettre ses datas, elle sait que c'est dans C1, C2, C3. L'application 2, quand elle s'est lancée, elle, ben, elle est venue écrire ici. Elle est venue écrire dans C33, C34, C35. Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, l'application 2, elle est venue dans ce qu'elle croit être C33, mais réellement, c'est allé dans C5. D'accord. Elle croit être allée dans C34, mais réellement, c'est dans C6 que c'est allé stocker. Quand l'application 3, donc, si on refait la même problématique que tout à l'heure, qui était, mes applications ont écrit dans la mémoire réelle, elles croient qu'elles ont écrit dans des espaces différents, donc leurs requêtes de lecture, d'écriture, sont à des adresses différentes. Donc il n'y a pas de conflit possible. Si maintenant, j'ai plus de mémoire réelle, la mémoire réelle, elle est pleine, même problème que tout à l'heure, même solution que tout à l'heure, le système, eh ben, il va déplacer les applications A1, A2, le contenu, sur le disque dur. Ça a libéré de la place pour l'application A3. Mais elle est encore derrière, donc elle va écrire à C65, 66, encore d'autres adresses. Hein, parce que le GMV, il a simulé un espace de 32 Go de RAM. Donc elle va écrire, et ben, ça va écrire ici. Donc là, il y a les applications A3 qui sont venues se mettre dans les emplacements utilisés précédemment par d'autres applications. Et maintenant, quand l'application 2 voudra aller relire ces datas, elle va les lire à quelle adresse? Elle veut lire le contenu de C33. Ça pose absolument aucun problème, parce que l'application 1, elle n'a jamais utilisé C33 comme emplacement. L'application 3, non plus. Chacune est de son côté. Et maintenant, ça va être en charge du gestionnaire de ma mémoire virtuelle d'aller récupérer les données qui étaient sur le disque dur. Parce que là, dans l'état actuel, je voudrais le contenu de la cellule C33. Dans la cellule C33, pour l'instant, eh ben, c'était C5 avant. Ah, mais dans C5, il y a les datas de l'application 3 là-dedans. Au même mécanisme, mais à l'envers, il libère de la place. C'était peut-être le système qui s'en sert plus, ou il y a l'application A, s'en sert pas. C'est pas grave. Donc il reprend les applications de la A2, il le met dans la cellule C1 réelle, la vraie mémoire réelle, et le C33 qui avant était mappé sur l'emplacement C5, il le mappe sur C1. Mais la requête de l'application est toujours à la même adresse. L'application 2, elle a écrit dans la cellule C33, elle va lire dans C33. Et c'est pour ça qu'on dit que la mémoire, elle est protégée, parce que jamais les applications vont écrire ou lire dans des espaces mémoire utilisés par d'autres applications. Et c'est lui qui fait tout le boulot. Ouais, l'utilité principale, c'est éviter les conflits d'emplacement. C'est ça. Okay. Ça sert à protéger la mémoire. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes à mémoire protégés. Avec un schéma, c'est plus clair. Là, pour la capture d'écran, c'est cher.
Prenez des photos. Mais du coup, ça permet de voir aussi que la technique du disque dur, finalement, enfin de la mémoire virtuelle, finalement, c'est une technique qui existait avant le GMB. Oui. Alors, en fait, ça a été un peu en parallèle. Parce que ça date de NT351. Hein. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux, sous Windows 95, il y a le système du swap, mais t'as pas le GMB. C'est ça. Sur NT351 ou NT4 de l'époque, t'as le système du swap, mais t'as le GMV qui te protège. Okay. C'était combien plus cher, les systèmes NT? Bah, peut-être que c'est justifié. Parce que bon, à développer ce truc-là, c'était pas 5 minutes. Hein. C'est un truc un peu plus costaud. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a eu la révolution quand on a quitté Windows 95, 98 et qu'on est passé à XP. Parce que Windows XP, il a le GMV, hein, lui, hein. Bien sûr. C'est un pur 32 bits, ça marche comme ça. Avant, dans les applications à base de DOS, il y avait beaucoup d'applications qui s'échangeaient des données à travers la mémoire vive. C'est-à-dire que vous aviez des applications qui devaient communiquer avec le système ou autre chose qui disaient ben « Moi, j'ai écrit dans la cellule C1 de la mémoire et ça disait à l'application 2 « Va lire dans C1 ». Et ça s'échangeait par la mémoire vive, en fait. Ça va plus vite, en fait. C'était vraiment pourquoi on utilise un max de mémoire vive. C'est 10 fois plus rapide en accès, hein, la mémoire vive, que le stockage. Le stockage disque dur, en fait. Donc, pour des questions de performance, tac, il s'échangeait directement dans la mémoire vive. Évidemment, avec le GMV, c'est impossible. Chaque application a ses espaces mémoire séparés. Donc, il fallait redévelopper les applications. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait certains logiciels. Il y avait la version Windows 95, Windows 98, et il y a eu après la version Windows XP. Il fallait racheter un autre logiciel, parce qu'il fallait le redévelopper. Parce que la gestion de la mémoire, elle n'est pas faite pareil. Incompréhensible. Par contre, avec les nouvelles technologies qu'on a sur les disques durs, etc., oui, NVMe, etc., ça se rapproche beaucoup du fonctionnement des RAM. Alors, là tu es en train de parler de la vitesse du stockage. Oui. Il y a le problème de la vitesse du bus. C'est le bus, c'est l'accès. Merci. Si tu veux, dans tes composants, tu vas faire processeur, mémoire vive, disque dur. Mais en fait, si je peux schématiser, la mémoire vive, elle est plus près du processeur. Au niveau vitesse d'accès. Bus des vitesses d'accès, les fréquences d'utilisation, la largeur du bus d'accès, c'est vachement plus rapide dans la mémoire vive que sur le disque dur. C'est pour ça, tu l'as peut-être vu, quand tu achètes les barrettes, il y a des fréquences. Oui. Voilà. T'as pas ça sur les disques durs. On est sur la même fréquence tout le temps. Si on passe en DDR5, par exemple, c'est que la fréquence est encore plus importante, c'est juste ça. Et t'as la largeur du bus qui est super. C'est large. Voilà. Donc t'as des espaces mémoire encore plus larges, donc ça va encore plus vite pour l'accès. Si on n'avait pas besoin d'enregistrer des données, on pourrait travailler que dans la mémoire vive. Si t'en avais assez suffisamment, évidemment. Si tu as suffisamment de mémoire vive, mais il y a des systèmes qui marchent comme ça, vous le connaissez, hein, Zero Shell. Quand vous utilisez Zero Shell, est-ce que vous l'installez? Non, il est entièrement chargé dans la mémoire vive. Hein, quand on fait des machines virtuelles, vos routeurs Zero Shell, vous pourriez choisir dans l'option disque dur, ne pas mettre de disque dur. Vous pourriez ne pas en mettre. Il boot sur le DVD, il décompresse tout dans la mémoire vive, et il travaille que dans la mémoire vive. C'est pour ça d'ailleurs que vous redémarrez un zéro shell, vous avez tout perdu. Parce que bien sûr, hein, la mémoire vive, on ne peut rien stocker. Enfin, enregistrer définitivement, je veux dire. C'est que temporaire, la mémoire vive. On arrête l'ordi, tout est effacé. Oui. J'ai deux questions. La première, ça veut dire que si jamais il y aurait eu conflit d'adresse, et que le GMV va récupérer les données dans le disque dur. Alors, attends. Si tu dis GMV, il ne peut pas y avoir de conflit d'adresse, c'est impossible. Justement, c'est ce qu'il fait, il évite les conflits. Donc t'as pas le GMV, là c'est... On est sous Windows 95. Okay. C'est ça? Non, on a le GMV. Bah pas de conflit d'adresse, fin de l'histoire. Ok, ce que je voulais dire c'est on a le GMV. Oui. Et la mémoire vive était pleine. Oui. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a enlevé une application, il l'a mis dans le disque dur. Oui. Et puis cette application elle veut réutiliser ses données. Est-ce qu'il y a un délai de... Bien sûr. Ah, évidemment. Du coup, ça, c'est la problématique de libérer l'espace réel de la mémoire vive et déplacer sur le disque dur, puis faire l'inverse, redéplacer du disque dur vers la mémoire, ça prend du temps. Donc forcément, tu rames, tu ralentis, c'est moins performant. Si on pouvait, on ne mettrait jamais rien sur le disque dur. Donc ça veut dire une mémoire vive suffisamment grosse.
qui était suffisamment de place. Du coup, sur l'écran, ça se retranscrit, tu lances l'appli, mais elle... Ça rame. Ça rame un peu, quoi. Bah, c'est pas compliqué. C'est un disque dur qui va se lancer. Enfin... Oui, ça s'appelle swapper. Okay. Faire du swapping, c'est déplacer de disque dur, puis redéplacer du disque dur vers la mémoire des autres. Donc, alors, je vais pas dire moins ta mémoire vive, mais moins ta mémoire vive, elle est optimisée, elle est en adéquation avec tes besoins. Voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est jouer à Oxygen Not Included. Oxygen Not Included, c'est un logiciel qui va consommer 2 gigas de RAM. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 téra de RAM ? Non. Mais si j'ai 2 téra de RAM, ça va jamais swapper. J'aurai jamais de problème. Par contre, moi, je fais du 3D Studio Max. Quelqu'un connaît 3D Studio ? Non. C'est des logiciels d'imagerie 3D. Avec ça, vous faites Toy Story, si vous voulez. Donc c'est avec ça, donc c'est des calculs, c'est hyper compliqué, c'est des calculs 3D, ça te mange toute la mémoire vive. Il faut juste que ce soit à l'avenant, c'est tout. Bon bah pendant très longtemps, la mémoire vive, ça coûtait très cher. C'était pratiquement le plus gros poste dans l'achat de ton ordinateur. Donc je veux dire que quand tu passais de 8 mégas de RAM à 16 mégas, putain ça faisait mal au portefeuille. Hein. Et là ça swappait au taquet. Parce que pendant très longtemps, on avait moins de mémoire vive que notre besoin. On avait toujours besoin de plus. On n'avait jamais assez de RAM. Donc c'est assez récent que maintenant, la RAM, oui. Voilà, vous avez regardé, il y en a peut-être certains d'entre eux qui ont acheté un PC avec 32 gigas de RAM. C'est quand même assez cossu. Bon, ça vous a pas coûté 3000 euros. Enfin bon, sauf si c'est un Mac, mais bon, si c'est pas un Mac... Ah ouais, non mais là c'est parti, laisse tomber, ça s'arrêtera pas, prépare-toi. Voilà, sauf si c'est un Mac, tu prends des PC, 32 gigas de RAM, ça vous a coûté 600 balles, même moins cher. Voilà, aujourd'hui c'est plus un frein. Mais ça reste quand même un frein si, oui, mais moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du Combat Flight Simulator, je vais mettre 8 écrans, 32 gigas de RAM, c'est pas assez. Il faut 64 gigas de RAM si tu veux pas trop que ça rame. Parce que, voilà, tout le manque d'espace réel, ça se fera sur le disque dur, et c'est plus lent. Et c'est plus lent. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les applications ne savent ni lire ni écrire sur le disque dur. Elles ne savent lire et écrire que dans la mémoire vive. Donc les datas doivent être dans la mémoire vive, pas sur le disque dur. Donc, et ben forcément, dès qu'il y a un déplacement, même si c'est un SSD, ça va ralentir. Ça va ralentir. Donc ton avion, il va... C'est plus lent. Lire, je comprends, mais lire... Ni lire, ni écrire. Mais c'est le process de création des logiciels. Le seul emplacement qu'ils ont, parce que ça a été créé comme ça, c'est la mémoire. C'est le seul qu'ils connaissent même. Quand tu développes, ça n'existe pas, l'écriture du fonctionnement de travail, sur le disque dur. C'est forcément dans la mémoire. C'est la faute des développeurs, tout ça. C'est un jeu, ça. Mais, oui, je suis d'accord avec toi, mais ton logiciel pour tourner, pour démarrer, l'application même, il a besoin de la mémoire. Mais pourquoi? Mais parce que quand on a commencé l'informatique, les disques durs, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Quand on a fait les premiers systèmes d'exploitation, quand les toutes premières machines, le début, il n'y avait que ça. Il y avait processeur, mémoire vive. Point. Donc, tout a été créé là-dessus. Tous les mécanismes ont été créés là-dessus. Ça fonctionne comme ça. Le disque dur, c'est arrivé après. C'est arrivé après. Le stockage, c'est arrivé après. C'était pour stocker le résultat, uniquement. Les tout premiers ordinateurs ont booté sur un système, sur une disquette. Il fallait lancer le système sur la disquette, qui se chargeait en mémoire vive, et après on pouvait travailler dans la disquette, on en mettait une autre. Si vous avez regardé les vieux films, ils ont les bandes qui tournent comme ça, mais ils chargent le système d'exploitation d'abord. Puis après ils enlèvent les bandes, et puis ils remettent autre chose pour travailler dessus. Parce que ça n'existait pas. Projetez-vous 50 ans en arrière. Ça n'avait rien à voir. Mais les concepts qui ont été utilisés, la mécanique qui a été utilisée, c'est la même aujourd'hui. Il n'y a que quand on va passer aux ordinateurs quantiques, où là, on a changé complètement l'architecture de fonctionnement, que ça va peut-être disparaître. C'est pas demain qu'on aura un PC portable quantique. Hein. Un Mac quantique. Là, c'est vraiment très cher. Vas-y. Ça va mieux. Là, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est un peu chaud. C'est un peu pointu. Ouais. Faut juste bien comprendre que c'est protégé, finalement. T'es pas obligé d'avoir compris comment ça fonctionne. Faut juste bien te dire que
ça explique pourquoi c'était si cher. Ça explique pourquoi il y a eu, quand je vous ai dit que ça a été la révolution, quand on a quitté Windows 98 et qu'on est passé à XP, les logiciels ils fonctionnaient plus. Et c'est normal. La gestion de la mémoire, c'est plus du tout la même chose. Donc il faut aller les redévelopper. C'est tout. C'est juste pour la petite histoire. Savoir ça, c'est pas utile. C'est pas utile. C'était juste pour que vous compreniez. D'accord. C'est mieux avec un schéma. C'est mieux avec un schéma. Ouais. Hein ? Je peux même plus l'effacer. Je peux même plus l'effacer, non, ça. Putain, j'ai écrit à l'un des deux débiles. Super. Ah, mais faut que j'arrive à le faire en électronique, ce schéma-là. De quoi ? Tu fais chier, faut que je le fasse. Hein. Mais il est pas sur Wikipédia, ce schéma-là. Faut que tu apportes à la communauté Wikipédia. Mais il y est déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Voilà, protection de la mémoire là. Christophe, par rapport au jury, il peut poser une question comme qu'est-ce que le GMV ? Non, mais non, c'est beaucoup trop pointu. Ils savent même pas que ça existe. Et encore moins, ils vont pas poser des questions du genre exFAT, taille de partition max, taille de fichier max. Mais non. C'est s'ils font ça, c'est plutôt bon signe. Parce que normalement, ça va être les dernières questions. T'as déjà fait tes preuves. Ils essayent de te coincer. Ils disent, putain, mais il y a bien un truc, il va pas savoir, ce con. Alors, attends, bouge pas. Alors, quelle est la taille maximale d'une partition un lundi, deux jours de plus ? Alors, voilà. Non, si tu vois, des questions aussi pointues, franchement, c'est plutôt bon signe. Normalement, c'est que tu as répondu à toutes les autres d'abord. Okay. Donc ça va. J'ai même eu le savoir. Hein. Je suis sûr. Parce que eux, les gens qui vont être jurés chez vous, c'est des professionnels. C'est des gens qui vont travailler tous les jours, mais sans décortiquer tous les aspects de l'informatique tous les jours. Il y a leur quotidien à eux, c'est plutôt les adresses IP privées, les adresses IP publiques. Ça, vous devez le savoir. Parce que ça, c'est le quotidien de l'informatique. Les couches du modèle OSI, eux, ils vont vous le demander parce que. Ils savent que vous êtes censé le savoir. Ça, c'est la base de l'informatique, on le retrouve partout. Alors, savoir la différence, taille d'un fichier maximal de l'exFAT, non. Plutôt, par exemple, dire pourquoi c'est du NTFS partout. Ça, c'est plutôt important parce que le NTFS, encore une fois, ça, c'est le quotidien. Donc, savoir comment fonctionnent les mécaniques, les ACL, on va en manger plein. Hein. Voilà, savoir ça, c'est important. Mais voilà, les trucs techniques comme ça, non. On peut avoir des questions sur les classes A, B, C, D là ? Ah bah vous pouvez, sur ce que vous voulez. Je suis pas le jury, hein. C'est pas moi. Et si on lui dit ça existe même plus, ça sert à rien ? Alors ça, c'est une mauvaise réponse. ça veut dire, qu'est-ce que tu me poses ces questions débiles là ? Ça sert à rien. Déjà, faut jamais dire ça sert à rien au jury. Faut dire, de ce que je sais, je crois que c'est obsolète. Tu vois ? Ça, c'est mieux. Parce que dire à quelqu'un, c'est débile, ça sert à rien. Ça veut dire que votre question, elle est nulle. Ah, vous me posez une question sur un truc qui sert à rien. Non. Faut toujours être... toujours. Le jury a toujours raison. Donc tu peux lui dire, c'est obsolète. Certes, oui. Dans ce cas-là, moi, si tu me dis des choses comme ça, je vais rebondir. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi, quand j'écris une adresse IP, il y a un masque qui se met tout seul. C'est la magie ? Alors ? C'est dû à ces classes obsolètes. Ah, bah, voilà. C'est pas la peine de mettre le mot obsolète. Ah. C'est pas la peine. C'est pas. Voilà, il y a un lien, c'était comme ça avant. Et tu peux dire aujourd'hui, ça a été remplacé, si tu veux broder. Ça a été remplacé par quoi, les classes ? Vous dites que c'est obsolète, monsieur. Ouais. Alors c'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Ça a été remplacé par quelque chose, alors, ces histoires de classes ? Le CL, la classe laisse ouais. Le slash, quoi. Le slash, ouais, c'est... et ça porte un nom. Donc. Classless, c'est la première lettre. Le CIDR. CIDR. Voilà. Donc c'est là où il faut faire attention parce que quand on commence à dire ah, c'est obsolète, c'est... ah ouais, bah, le jury va tirer la ficelle. Très bien, alors je vous écoute, c'est remplacé par quoi ? Oui, ah bah, expliquez-moi le CIDR, comment ça fonctionne. Alors je vous écoute. Et attention aux dominos, tu risques de te retrouver sur une pente glissante. Surtout, c'est mieux d'apprendre quand même, quoi. Même si ça. Ah bah oui, ah, non mais. La question c'est, est-ce qu'il faut savoir tout ça ? Si vous pouvez tout savoir, ben c'est super, tant mieux. Vous allez en apprendre au jury, hein, parfait. Vous apprenez tout ce que je vous dis, nickel.
Est-ce que vous êtes capable de tout retenir? C'est vous qui voyez. Ça dépend du GMV. Ça dépend du GMV. Voilà. Mais voilà, la question c'était, voilà, est-ce qu'il faut pousser jusque-là? Non. Moi je pense pas. C'est pas nécessaire de le faire. Oui, on part du principe qu'ils sont comme toi. Non, bah si vous partez du principe qu'ils sont comme moi, vous avez jamais votre titre. Non, 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 ils sont gentils. Le jury est bienveillant. Le jury, il est bienveillant. Si on pense qu'ils sont comme toi, au moins on va se protéger. Si tu veux. Non, mais si tu penses qu'ils sont comme moi, tu viens même pas. Tu vas même pas te déplacer. Ah, moi, je suis interdit d'être jury, là. Non, moi, j'ai pas le droit. T'as pas le droit? Ah bah non, moi, c'est un massacre. On a perdu. Parce que moi, j'y vais. Alors, le GMV, je t'écoute. Je veux toutes les classes d'adresse. CIDR, tu m'expliques? Moi, j'attaque direct VLSM. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Ouais, t'as un VLSM, allez. T'as un vas-y, slash 19. Ça, et tu me fais VLSM avec ça. Je veux 5 étendues de 18 adresses chacune. Tu dis ça, t'as l'œil qui fait. Le VLSM? Hein? Ah si, le bris là, le bris de mots là, qui est coupé en morceaux, vous connaissez pas? Dommage. Non, non, moi j'ai pas le droit de tout. C'est quand tu parles plus que tu commences à faire des notes. Quand il y a le pied sur l'empreinte. D'autres questions? Bon, la suite. Alors quand même, s'il y a un truc que t'as oublié hier, c'était la possibilité qu'on avait de passer facilement un disque dur en plus ou en moins dans une VM. Hein, on passait par le contrôleur SSI et l'avantage c'était que à chaud, on pouvait ajouter des disques durs, retirer des disques durs sans avoir à modifier arrêter la VM. C'était intéressant. Ah oui, puis il est tendu aussi. Il faut que ça soit contigu, sinon ça va être... Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc, hier, justement, dans nos disques durs... j'ai pas remis le disque dur de mon client, super. Allez, contrôleur SSI, disque dur, ajouter, parcourir. Client 01, parler. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lis ce note. Dis-moi pas que c'est pas vrai que j'ai fait ça. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Éjecter, bien sûr. Tac. Alors, attention, si vous faites comme je viens de faire, c'est-à-dire retirer les disques durs SSI d'une VM, ajouter les disques durs SSI d'une VM, les passer, on peut les passer d'une VM à une autre ou les monter sur l'autre et les éjecter. Hein, on l'a fait hier. C'est des choses que j'ai déjà vues. Est-ce que vous vous souvenez? On l'a fait hier. Est-ce qu'on peut changer la lettre d'un lecteur? Oui, comment on fait? Clic droit de souris dessus. Modifier la lettre et le chemin d'accès. Quand vous sélectionnez la lettre, vous pouvez faire un truc qui s'appelle supprimer. Je vais le faire, hein. Je vais supprimer. Oui. Ce qui fait que là, j'ai bien... Il y a une partition, mais il n'y a plus de lettres. Dans l'explorateur de fichiers de ma VM, j'ai que ces deux points comme lecteur. J'ai enlevé la lettre du disque que j'ai ajouté. Alors, je connais deux cas de figure. Le premier cas de figure, il y a des gens qui font ça exprès pour cacher, entre guillemets, ce lecteur. J'ai vu ça en entreprise, c'est-à-dire que vous avez un disque dur ou une partition via le système,
Et puis il y en a un deuxième, dans lequel ils ont les outils de dépannage, les sources, les ISO par exemple, pour réinstaller des logiciels. Mais ils veulent pas que Brigitte mette son nez dedans. Donc, ils suppriment la lettre. Comme ça, Brigitte, dans son explorateur de fichiers, elle le voit pas. Elle peut pas y accéder. Mais un technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va revenir ici, il refait modifier la lettre, et au lieu de cliquer sur supprimer, on clique sur ajouter. Et là, vous remettez la lettre que vous voulez, et le lecteur redevient accessible. Donc, soit cette lettre, elle est plus là volontairement. J'ai déjà vu ça, pardon, involontairement. Je branche une clé USB, il n'y a rien. Pourtant, quand vous venez ici, dans le gestionnaire de disque, elle est là. Mais il n'y a pas la lettre. Je ne sais pas ce qui se passe. Windows n'a pas attaché automatiquement la lettre au lecteur. Bon, c'est pas grave, vous la remettez à la main. Ou c'est des choses que j'ai déjà vues. Dans ce cas de figure-là, sur les VM, quand vous détachez un disque dur SSI, vous rattachez un disque dur SSI, ben, des fois, la lettre, elle ne revient pas. Donc, c'est pas grave, hein, il suffit de venir ici et de refaire, modifier la lettre et de réajouter la lettre qui a été pas mise automatiquement ou supprimée volontairement. Ça peut se faire. Pour des questions donc de sécurité ou des dysfonctionnements. Donc il n'y a pas la lettre, le lecteur n'est pas accessible. C'est exact. Tu peux pas accéder aux datas qui sont dedans s'il n'y a pas de lettre. Il n'y a aucun moyen via l'explorateur de fichiers ou... Si, il y en a un autre. Je la supprime. Quand vous faites clic droit de souris, vous cliquez sur une option qui s'appelle « Modifier la lettre de lecteur » et les chemins d'accès. Bon, la lettre, on l'a vu là. On met la lettre, on enlève la lettre, on change la lettre, etc. Mais c'est quoi ça, les chemins d'accès? Vous l'avez peut-être pas vu, mais... Nous, on s'est occupé que de cette ligne-là, là. Attribuer la lettre de lecteur... en dessous, il y a quoi? Monter le... dans le dossier NTFS vide suivant. Je te fous d'air, carré. Voilà, si vous cochez ça, montez dans le dossier NTFS vide suivant, et vous faites parcourir. Si je vais dans ces deux points, j'ai un dossier vide qui s'appelle PSG, par exemple. Je crois qu'il est vide, celui-là. Bah, apparemment, il n'est pas vide, parce que sinon, je pourrais le sélectionner. Bon, moi, c'est EDF, équipe de France, bien sûr. Donc, j'ai mon dossier équipe de France, il est vide, je fais OK. Ce qui fait que maintenant, les 127 gigas, pour y accéder, je ne vais pas passer par une lettre. Dans mon explorateur, j'ai pas de lettre. Mais si je vais dans ces deux points, le dossier EDF, il a changé d'icône. On dirait un petit lecteur avec un raccourci dessus. Et tout ce que vous irez mettre dans le dossier EDF ne va pas se stocker dans ces deux points. Ça va stocker dans la grosse partition de 127 Go. Donc, il y a une autre solution. Je sais pas pourquoi ça existe. C'est cool. C'est cool? Bah, si tu trouves ça cool, tant mieux. Mais je sais pas trop. Tu vois, j'ai pas vraiment de j'ai pas rencontré de cas de figure où c'était utile de faire ça. C'est quoi la différence entre accéder à ce lecteur par ces deux points EDF ou de faire une lettre des deux points? C'est de monter des lecteurs à chaud s'ils sont pas en SSI. Non, ah non, c'est le même problème. Là, le monter les lecteurs à chaud, c'est mécanique, en fait, c'est matériel. Donc ça dépend du matos. Là, Windows, ils s'en foutent. J'ai pas de cas de figure concret. Si on ne crée pas ce chemin d'accès et qu'on supprime la lettre, il n'y a aucun moyen d'y accéder, ça. Ah bah, je connais que c'est de là, moi. Okay. Dans l'état actuel de mes connaissances, il y a que c'est de là. Et alors, et ce qui est cocasse, c'est qu'on peut cumuler. Je refais ajouter, hein. Je mets les deux points. Et alors là, c'est très cocasse. Dans votre explorateur de fichiers, dans des deux points, je vais faire un nouveau dossier. Et si vous allez dans ces deux points EDF, c'est la même chose. Un nouveau dossier. Kiki. Et quand je vais dans des deux points, j'ai Kiki. Pareil. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce que... Ah, mais j'ai oublié de mettre le chat. Oh là là, mais j'ai pas mis le chrono non plus. Je peux pas compter sur vous. Ça se trouve, là, il y a eu plein de questions sur le chat, j'ai tout raté. J'étais sur le tableau. Ouais, j'étais sur le tableau, mais ça se trouve, le chat a dit, je veux le tableau.
Voilà, non, il faut pas laisser de côté la commu, hein, c'est important la commu. Voilà. Bon, heureusement, il n'y a pas de commu. Il n'y a pas de viewer. Donc, je vais virer tout ce merdier. Je l'ai pas mis toujours. Eh ben non. Allez, modifier la lettre. Donc, le EDF, je vais le supprimer. Comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, supprimer le volume? Normalement, donc, sur votre poste de travail, vous avez ajouté... Vous avez remis le disque dur comme moi? C'est bon, vous avez votre deuxième disque dur dans lequel on avait créé un volume hier. J'ai fait une partition. J'ai pas le disque 1. T'as pas le disque 1? Bah, il faut le remettre. Non, on l'avait fait hier, ça, j'arrive pas. C'était sur disque 1. Non. Non, non, disque 1, c'était c'était un disque SSI normalement. Dans les paramètres de la VM, il faut que tu ailles. Ouais. Fichier paramètres. Contrôleur SSI, il y est. Non, attends, regarde. Contrôleur SSI, tu peux cliquer sur disque dur. Ouais. Pas de fichier. Fais parcourir. Voilà. Alors, moi, j'avais demandé de le mettre dans le dossier du client. DD2, c'est il est là. Ouais. Il est là, DD2, ok. Il est là, disque 1. Avec le D, il est là, le D. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton nouveau nom des deux points? Supprimer le volume, s'il te plaît. Tac. Allez, ça dégage. Hop, faut que je le fasse aussi. Hop, supprimer le volume. On est revenu sur un disque dur tout vide. Y a rien dedans. Parfait. Donc hier, quand on a fait clic droit de souris, il y avait plein de choses. Nouveau volume simple, nouveau volume fractionné, nouveau volume agrégé par bande, nouveau volume en miroir, nouveau volume RAID 5. On va détailler tout ça. Qu'est-ce que c'est que la différence entre tous ces trucs-là? Le premier, vous le connaissez déjà. Nouveau volume simple, c'est une partition. Tout simplement. Donc là, rien de nouveau depuis hier. Ça, on n'en a pas parlé. C'est quoi un nouveau volume fractionné? Je vais finir la phrase. Il y a écrit nouveau volume fractionné sur plusieurs disques durs. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire volume fractionné sur plusieurs disques durs? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que si dans mon ordinateur j'ai un disque dur, deux disques durs, trois disques durs, vous pouvez faire une partition qui s'étale sur plusieurs disques durs. On va utiliser ça quand vous avez besoin de grands volumes. Donc ceci est un disque dur. Dedans, vous pouvez faire une partition. Si vous avez deux disques durs, si vous avez trois disques durs, si vous vouliez faire des partitions, ça vous ferait trois partitions. Et bien, le principe du volume fractionné, c'est que vous allez réunir tout le contenu de vos trois disques durs dans une seule partition. C'est-à-dire que si, ici, je voulais tout réunir, ben, il faudrait que je fasse... à chaque fois une partition. Ben là, je vais faire
une seule partition qui s'étale sur les trois. Ça veut dire que ici, les trois volumes vont être vus comme un seul volume. Donc là, ça va faire mon unité de points. Du coup, Christophe, la partition va être divisée en trois dans chaque disque dur. Non, il y aura une seule partition. Alors, la partition. C'est-à-dire, dans ton explorateur de fichiers, tu verras des deux points. Okay. Alors que dans ton gestionnaire de disques, tu verras trois disques durs. Et c'est-à-dire que le premier disque dur, par exemple. On va voir si vous avez compris. Non, peut-être pas. Imaginez que vous avez 3 disques durs de 128 gigaoctets. Vous allez créer un volume fractionné qui va cumuler les 3 disques. Donc, quelle va être la taille de D2 points ? D2 points va faire 325 gigas. Le cumul de 3 disques durs différents. C'est ça un volume fractionné. Vous voyez l'idée ? C'est faire des gros volumes. Avec plein de disques durs. Aujourd'hui, quand tu achètes un disque dur, il fait quelle taille ? 1 Tera. Moi, je dois stocker énormément de données. J'ai besoin de 200 Tera. J'ai 200 disques durs, ça c'est pas un problème. Okay. Mais ça veut dire que j'ai 200 lettres de lecteur. Parce que je peux faire qu'une partition par disque au maximum. Grâce à ça, tu vas faire un volume fractionné sur 200 disques durs et ton D2 points il fera 200 Tera. C'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est pour avoir une grosse volumétrie dans plein de disques durs différents. En plus, différents. Ça peut tout à fait être un 512 Go mélangé avec un 128 et un 64. Le grand classique de ça, le volume fractionné, c'est la récupération des vieux disques durs. J'ai plein de petits disques durs qui me restaient, je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais faire un NAS avec. Ben hop, je fais un volume fractionné qui cumulera le stockage de tous mes disques. Plutôt que d'avoir plein de petits volumes différents. C'est ça l'intérêt. Par contre, on utilise l'intégralité du disque dur, enfin des disques durs. Je comprends pas ta question. On n'utilise pas que, par exemple, 50% du disque 1, du disque 2, du disque 3. Là, on prend 100% de notre réseau. Non, c'est faisable. On pourrait ne pas tout prendre. Mais alors, faut faire les choses dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, ton premier de 512, tu veux utiliser que la moitié. Il faut d'abord créer un volume simple sur le premier disque dur, laisser l'espace libre, et créer un volume fractionné avec tout le reste. Ah oui. C'est chiant, là, ce que tu demandes. C'est pas trop... C'est faisable, mais c'est chiant. Il faut l'avoir anticipé. En général, c'est pas ça. Oui. On avait un disque de 1 Tera. Oui, on commençait un disque de 1 Tera, si tu veux. Et là, on fait des... Non, mais attends, je te mets 1 Tera. Attends. Je te l'écris. Donc, j'ai que des disques de 1 Tera. Non, on a un disque physique qui fait 1 Tera. Non, là, j'ai 3 disques physiques qui font 1 Tera. Le volume fractionné, il s'étend sur plusieurs disques durs physiques. T'as plusieurs disques durs. Non. Là, j'ai un disque dur de 1 Tera. Ouais. J'ai un deuxième disque dur de 1 Tera. Ouais. J'ai un troisième disque dur de 1 Tera. J'ai 3 disques durs de 1 Tera. Est-ce que ça va là ? Oui. Je vais créer un volume fractionné qui va faire 3 Tera. On cumule en fait.
Et mon 3 Tera, bien sûr, c'est des deux points. Hé, hey, va t'acheter des doigts, toi. C'est bon. Ça sert à ça, le volume fractionné. Je prends plein de disques durs physiques différents et je les cumule en un seul volume. Alors, c'est extrêmement pratique parce que ça vous permet de faire des gros volumes. Par contre, attention, si jamais, pour une raison quelconque, vous avez un disque dur qui tombe en panne, admettons, ce disque dur de 1 Tera, il est HS, vous perdez l'intégralité du volume. Tout est perdu. Là, je perds 1 Tera, je perds 3 Tera. Donc, c'est pratique pour cumuler. Hartung. C'est pas sécure du tout. C'est même pire. Parce que si t'as 3 disques durs, t'as 3 fois plus de chances de perdre un disque dur. Donc plus t'as un nombre de disques durs élevé, plus c'est risqué. En général, ce genre de choses, on le fait pour stocker des données pas sensibles. Des archives ou des trucs qu'on pourra remettre plus tard. Ou des données temporaires, par exemple, ça peut être. Le temps de faire un transfert, un truc comme ça. Mais, Christophe ? Oui. Elles se répartissent comment les données ? Comment on les répartissent ? C'est lui qui se démerde, mais en général, il remplit le premier disque, puis le deuxième, puis le troisième. Il fait dans l'ordre. C'est séquentiel. Ces disques-là, physiquement, c'est des trucs qui se clipsent, là ? Ben non, qui se branchent. Ça ressemble à ça, un disque dur. C'est un truc comme ça, avec des nappes, qu'il faut brancher sur la carte mère. Ok, je vois très bien c'est quoi. Et si jamais... Ah, bah très bien. Si jamais j'en branche que deux sur les trois, il ne lira pas le dépôt. Attends, comment ça ? J'en branche que deux sur les trois, c'est-à-dire que t'as trois disques durs ? J'ai fait le truc fractionné, là. Donc t'as branché tes trois disques durs ? Oui. T'as fait le volume fractionné, tout fonctionne ? Ouais. Tu fais quoi, après ? Je mets ce que j'ai à mettre dans les données. Ouais, super. Ensuite, je les débranche. Ah, tu débranches qui ? Les disques durs que j'avais, les deux disques durs. Non, t'as dit qu'on en avait trois. Ouais, j'en débranche deux, mais il faut bien qu'il en reste un sur le... Ah, d'accord, t'en débranches deux, et après tu fais quoi ? Tu rallumes la machine ? Ouais. Fini, fin de l'histoire, c'est mort. Ton dé de points, il est décédé. Et si on rebranche... Il reste là en permanence. Ah bah oui, ton volume fractionné, c'est considéré comme un volume. Et s'il rebranche les deux qu'il a débranché, est-ce qu'il va rater Ah non, c'est mort pareil, hein. Là c'est bon, c'est fini. Mais il fallait qu'il débranche les trois, du coup. Il faut qu'il débranche rien du tout. Les volumes fractionnés, il y a un disque dur qui est plus là, qui est enlevé, qui est en panne, qu'est-ce que tu veux, terminé, il est mort. Et quand c'est les archives là, ils enlèvent bien les trois disques durs d'un coup. Quoi, mais de qui tu parles ? De quoi tu parles là ? Dans l'exemple que tu donnais là tout à l'heure pour les archives. J'ai dit ça sert à stocker des archives. Mais il reste le volume. Ils sont tout le temps là tes archives, tu les laisses en permanence. Ah, ils gardent les trois disques, des disques physiques. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? C'était quoi cette histoire d'enlever des disques ? Pourquoi tu veux enlever tes disques ? Bah, je pensais que c'était plus pratique, on stocke. Mais pratique pour faire quoi ? Non mais si t'enlèves les disques durs d'un ordinateur, t'as plus les datas dedans. On met ce qu'on a besoin de mettre de stocker, par exemple des archives. Point. Ça sert à stocker les archives. Mais après il est full le disque quoi. Il en faut un autre alors s'il est full. Bah, achète-en un autre, remets-en. Okay. Là on parle de stockage permanent, des trucs qui restent dans la machine. Ça ne s'enlève pas quoi. Mais non, ça s'enlève. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enlever les disques durs là Pourquoi tu veux enlever des disques durs? C'est quoi ton scénario là? Je prends trois disques durs, ouais. Je mets ce que j'ai à mettre dedans, ouais. Je les enlève. D'accord. Et puis je mets un autre disque dur qui va me servir pour faire ce que j'ai. D'accord. Bon, pourquoi t'as enlevé les disques durs ? J'ai pas envie de m'encombrer de 4 disques durs. Mais les disques durs, ils sont à l'intérieur de ton ordinateur, ils t'encombrent pas. Ces disques durs-là, on les fixe dans les machines, hein. Ça reste dedans. Il n'y a pas un emplacement illimité. Ah bah oui, ça dépend des machines. Si, t'as des bêtes disques, ça existe. Il y a des bêtes disques où tu peux mettre 64 ou 300 disques durs si tu veux. Si t'as besoin de beaucoup de stockage, il te faut beaucoup de disques durs. Donc il te faut les emplacements. Là, on est en train de parler de trucs professionnels. Hein. C'est pas le Mac avec ses 2 Tera et puis c'est fini. Hein. Miskin, il prend pour son grade d'avoir fait vous. Il a rien demandé. Quoi, ah, si, le sourcil, il m'a provoqué. Non, mais là, on parlait pas de ça. Tu vas voir, c'est le meilleur rapport qualité. Ah non, non, mais ça, c'est grave. C'est fini. C'est grave. Mais moi, je suis un connard psychorigide. Hein. Je pardonne jamais. Là, c'est des disques durs. Regarde. Non, là, on est pour du stockage permanent. C'est des disques durs qui partent pas. Ok. Voilà, on parlait. L'idée, c'était parce qu'il a dit qu'il avait fait un NAS, c'est pour faire un NAS. Non, et c'est pour stocker tes datas et les garder dedans. Tu veux mettre toutes tes vidéos, tous tes films, tes copies de sauvegarde de tous tes Blu-ray. T'as envie de les stocker sur ton NAS pour y accéder tout le temps. Donc non, on n'enlève pas les disques durs. Sauf s'ils sont en panne. C'est le moment où on doit les changer. Ou qu'ils sont trop petits.
Ah, effectivement, je remplace mon disque dur par un disque dur plus gros. Mais à ce moment-là, t'as dit qu'ils étaient morts, non? Si y en a Eh ben là, c'est foutu. C'est pour ça que c'est pas terrible. C'est pour ça que c'est pas terrible. C'est pour ça qu'on fait pas ça qu'on fait sur un NAS. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça sur un NAS. Donc, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut, dans l'exemple que t'as fait, mettre un disque, par exemple, deux disques SSD et un disque à plateau? Aucun problème. Tu peux tout mélanger. Ok, mais du coup, la vitesse de transfert, elle est... Ça dépendra sur quel disque il écrit. Si il écrit sur tout en même temps, ça serait... Ça peut être plus vite ou moins vite, ça dépendra. Donc tu auras un débit, on va dire, d'accès aléatoire. Des fois ce sera vite, des fois ce sera pas vite. Et effectivement, c'est de la merde. Je te le déconseille très fortement. Quand on fait des trucs comme ça, on essaye de faire en sorte d'avoir des disques à peu près homogènes. Au moins en technologie. Au moins. Mais bon, après, si c'est du bricolage, de la récupération, pour faire un truc pas cher... Bon, bah, il y a des contraintes, hein. Oui. Bah, on fait ce qu'on peut. J'ai récupéré 10 disques durs de la boîte où je travaillais, ou chez un client, il les jetait. Bon, bah, les disques durs, ils tournent pas à la même vitesse, ils ont pas la même taille. Bon, bah, c'est du gratos. Bon, bah, on bricole. Ah, et sûr, c'est pas optimisé. Si t'as que des disques NVMe, ouais, bah là, c'est mieux, ouais, c'est sûr. Mais bon, des fois, faut faire des sacrifices. Voilà, donc oui, c'est technologiquement faisable, c'est pas conseillé. Bon, donc en clair, le clic droit de souris, donc volume fractionné, bon, c'est de la merde. On est d'accord. Ça existe, mais bon, c'est de la merde. Deuxième, le volume agrégé par bande. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc de volume agrégé par bande? On va repartir là-dedans. Et hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc de volume agrégé par bande? On va rester un peu dans la même logique. Toujours un des deux points, j'ai des disques durs de 1 Tera. Mais je vais vous changer un petit peu le truc. Des dessins, je comprends bien. Est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un volume agrégé par bande? Eh ben, c'est un truc comme ça. Alors, vous imaginez, à chaque fois, c'est pas un carré. Hein. C'est chaque disque dur fait 1 Tera. Et je vais créer un volume de 3 Tera. Là, dans la logique, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme le volume fractionné. Sauf que, pourquoi on dit agrégé? Bah, c'est parce qu'on a mélangé les trois. Hein. On a agrégé nos trois disques durs ensemble dans un seul volume. Et le truc par bande, c'est dire que voilà. Quand le système va écrire sur un disque dur, il va écrire que 64 kilo-octets de data sur le premier disque dur. Puis, il va écrire 64 kilos sur le deuxième disque dur. Puis, il va écrire 64 kilos sur le troisième disque dur. Quand il a fini, il a rempli la bande de 64 kilos, il reprend sur le premier disque dur. Il réécrit 64 kilos sur le premier disque dur. Puis, il réécrit 64 kilos, etc., etc. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est d'écrire... Non pas remplir le premier disque, puis le deuxième disque, puis le troisième disque. C'est remplir un petit peu le premier, un petit peu le deuxième, un petit peu le troisième, un petit peu le premier, un petit peu le deuxième, un petit peu le troisième, un petit peu le premier... À quoi ça sert ça? L'objectif de ça, c'est la vitesse. C'est la performance. Parce que quand il fait ça, il peut pratiquement lire et écrire sur les trois disques en même temps. Parce que c'est pas les mêmes datas qu'il met. Il répartit sur les trois disques. Donc il profite de la vitesse... de chaque disque dur. Donc quand vous faites donc ce qu'on appelle un agrégat par bande, vous utilisez le système de stockage le plus rapide qui existe.
c'est du RAID avec plus de disques. C'est pas du RAID avec plus de disques, c'est du RAID tout court. Parce que le RAID, c'est... ça peut c'est... servir justement à écrire sur plusieurs disques en même temps. Oui. Le petit nom de ce truc-là, donc dans l'assistance, ça disait volume agrégé par bande. Bon, si vous voulez vous la péter, vous appelez ça le RAID 0. L'autre nom des volumes agrégés par bande, c'est le RAID 0. Donc quand vous entendrez RAID 0, dans votre tête, il y a vitesse. C'est synonyme de performance, de vitesse, le RAID 0. Pardon ? C'est exactement le même défaut que les volumes fractionnés. Je perds un des trois disques durs, je perds tout mon RAID 0. J'enlève un des trois disques durs, je perds tout mon RAID 0. Donc par rapport à ce qui s'allume dans votre cerveau, quand vous entendez RAID 0, vous entendez vitesse et vous entendez danger. Perte de disque, perte de tout le volume. Donc on utilise le RAID 0 quand on a besoin de vitesse, mais on sait que les datas que je vais mettre dedans, je peux les perdre à tout moment. Le meilleur exemple du RAID 0, de l'usage du RAID 0, c'est l'emplacement de travail quotidien. Je travaille sur Photoshop, je travaille sur des calculs 3D, je travaille sur de l'imagerie de synthèse, peu importe. La machine sur laquelle je bosse, il faut que ce soit une fusée. Moi, il faut que ça bosse de ouf. Quand je fais mes images sur Photoshop, quand je fais mon montage vidéo, il faut que ça réponde instant. RAID 0, c'est super. Mais quand vous avez fini votre travail, on va prendre l'exemple du... Le montage vidéo, ça vous parle ? Hein, ceux qui font du montage vidéo, ils ont plein de vidéos, ils doivent les découper, ils doivent rajouter du son, des effets spéciaux, etc. Mais il faut que ça aille super vite. Ils travaillent sur un volume RAID 0. Ils ont fini le montage. La vidéo, elle est montée. La vidéo montée, je la stocke surtout pas sur un volume RAID 0. Parce que si le volume RAID 0 tombe en panne, je perds ma vidéo. Ma vidéo, je la mets ailleurs. Je la mets sur un volume qui n'est pas dangereux. Mais au moins dans mon quotidien, mon PC, c'est une fusée. Je suis sur un volume RAID 0. S'il y a un disque dur qui tombe en panne aujourd'hui, je perds mon ordinateur. Mais c'est pas grave. Je vais perdre mon travail d'aujourd'hui. Je perds pas toutes les vidéos que j'ai montées depuis 6 ans. C'est ça, l'usage du RAID 0. L'usage du RAID 0, c'est un emplacement de travail dans lequel je vais pas stocker mes données. Ça me fait un truc ultra rapide. C'est comme une Formule 1. Votre Formule 1, elle est hyper rapide. Mais elle est ultra fragile. Enfin, si vous suivez la Formule 1, il faut suivre la Formule 1, mais c'est hyper fragile, mais c'est très rapide. Le RAID 0, c'est pareil. C'est ultra rapide. Il n'y a pas plus rapide, de toute façon, comme stockage, mais c'est ultra fragile. Après, c'est comme tu dis, dans ton exemple, si tu mets ton système d'exploitation dessus, par exemple, finalement, si une plante, tant pis, tu réinstalleras. Et les données, de toute façon, sont dans une autre partition. Par contre, c'est ça. Aujourd'hui, les disques sont tellement importants que. Bah, faut trouver des systèmes qui soient assez costauds. Enfin, je sais pas, après je peux pas partout, mais finalement les disques sont tellement importants que faire cette technique-là, si j'ai un gros disque dur NVMe qui fait déjà 3 Tera ou 5 Tera, j'ai déjà assez de place pour. J'ai pas besoin d'agréger plusieurs disques durs. Le RAID 0, on le fait pas pour la place, on le fait pour la vitesse. Ben bah oui, mais si j'ai qu'un seul disque. Ben bah, fin de l'histoire. Bah, t'oublies tout ce qu'on fait. Alors, si t'as qu'un seul disque, eh bien te voilà dans ce cas-là, quand tu fais clic droit de souris. Tu as sans doute remarqué que tout le reste est grisé, parce que t'as qu'un seul disque. Mais là, c'est pas la peine qu'on discute. T'as qu'un disque. Volume simple, fin de l'histoire. Point. Mais non, mais t'es en train de me dire, tout ce que t'expliques, dis donc, si t'as qu'un seul disque. Oui, si t'as pas d'ordinateur non plus, on peut pas le faire. Non, ce que je veux te dire, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui si tu me parles dans. C'est la vitesse. Est-ce que tu as besoin de vitesse? Bien sûr. Eh ben, il te faut 3 disques alors, il te faut 2 disques, il te faut 5 disques. Point. C'est une contrainte obligatoire. Tu veux faire du RAID 0, faut au moins 2 disques. Fin de la discussion. Mais si, tu peux dire ce que tu veux. Si t'as pas au moins 2 disques durs, tu peux pas faire du RAID 0. Si t'as qu'un seul disque dur, quelle que soit sa vitesse, tu peux pas faire du RAID 0. Alors, si tu me permets. Vas-y. Je vais faire ma vidéo. J'ai un disque dur spécifique ou une partition. Alors, j'ai 2 disques durs. D'accord. Un disque dur qui me sert pour un système d'exploitation, l'autre pour mettre mes vidéos. Oui, très bien. Donc finalement, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire du RAID 0. Mais pourquoi ? Mais non, tu m'as dit, on revient au début de la discussion, j'ai besoin de plus de vitesse.
C'est pour ça qu'on fait du RAID 0. Pourquoi tu fais du RAID 0? Parce que tu veux un truc plus rapide que ce que tu as. C'est ça le cahier des charges. Ben, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc, il faut un truc plus rapide que ce que j'ai. Ben, si j'ai un disque dur qui est déjà rapide tout seul. Non, non, stop! Il faut plus rapide que ce que tu as. Tu comprends pas plus rapide? Merde, mais est-ce que quelqu'un pour lui expliquer plus rapide? Oui, je veux, on reprend le cahier des charges. Moi, je travaille sur quelque chose qui est très gourmand en stockage disque. Et j'ai un NVMe génération 6, c'est pas assez rapide. Je veux un stockage plus rapide. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu montes un RAID 0. Tu mets tes deux disques NVMe 6ème génération. Ça va aller deux fois plus vite. D'accord. Okay. Dans mon cas, il faudrait que j'ai deux disques pour l'exploitation et un disque... Voilà, parce que si tu veux faire du RAID 0, il faut au moins deux disques durs. Mais le cahier des charges, c'est le stockage que j'ai n'est pas assez rapide. Je veux quelque chose de plus rapide. D'accord. Si ton cahier des charges, ça commence, j'ai déjà ce qu'il me faut au niveau vitesse, fin de l'histoire, on discute d'autre chose. Pas la peine d'en parler. L'objectif du RAID 0, il n'y en a qu'un seul, c'est la vitesse. C'est tout. Ça sert qu'à ça. Christophe ? Oui. Je pensais que la vitesse de logiciel qu'on exploitait, c'était la mémoire vive, pas le disque dur. Non, la mémoire vive, c'est le stockage du travail. C'est les deux. Alors, un ordinateur, c'est un écosystème complet. La vitesse de ton ordinateur, la vitesse de travail, est-ce que ça va ramer, est-ce que c'est fluide, etc. Ça dépend de tous les composants. Ils sont tous importants. Tu fais un super RAID 0 avec des disques NVMe, NVMe 3, 12e génération, ce que tu veux, mais t'as un 286 comme processeur. Pire, t'as un AMD. Ça va ramer. T'as une super carte vidéo, t'as une 6090. Ouais, mais t'as 3 Go de RAM. Ça va ramer. C'est des écosystèmes complets. Si tu veux que ce soit rapide, tous les composants doivent être rapides. Donc non, il n'y a pas que la mémoire. Je pensais que tout ce qui était disque dur comme ça, c'était du stockage pur, quoi. Mais c'est du stockage pur. Alors, comment ça peut pas influer la vitesse? Et par exemple, on prend Photoshop. Tu sais ce que c'est Photoshop? Oui. L'exécutable de Photoshop, il est stocké où? Dans le disque dur. Fin de l'histoire. Tu vas donc l'ouvrir. Oui. Tu vas accéder au disque dur. Tu vas lire un fichier qui est sur le disque dur. Si ton disque dur, il se traîne comme une tortue, il va mettre du temps pour arriver, ton Photoshop. Hein. Mais c'est juste à ce moment-là. Mais le problème, c'est un fichier, l'exé. Ton ordinateur, il contient des milliers de fichiers. Quand tu utilises des logiciels, les logiciels, ils utilisent des milliers de fichiers. Ils n'arrêtent pas d'ouvrir, fermer des programmes. Tu le vois pas, toi. Tu vois rien du tout ça. Il y a des milliers de process qui sont lancés. Donc de ça va découler la vitesse de ta machine. Mais du coup, il faut travailler dans cette partition. Oui. Mais tu as dit qu'il ne fallait pas enregistrer. C'est fortement déconseillé. Donc ça parce veut que dire... si tu perds un disque dur, tu perds tout. Donc tu perds ton travail. Mm-hmm. Mais donc ça veut dire qu'il faut l'enregistrer dans le disque dur classique, le C par exemple. Par exemple, si tu veux. Mais tu travailles dans la partition. Dans le RAID 0. Okay. L'idée, c'est ça. C'est travailler dans un RAID 0, mais stocker ailleurs, dans autre chose que le RAID 0. Le RAID 0, c'est trop dangereux. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut deux disques, par exemple, pour la plus vite, mais il faut un troisième pour... Exactement. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Non. Oh, le menteur, mais quel mytho. Tout est enregistré. De toute façon, la commu t'entend. La commu t'entend. La première option de fractionner, elle perd tout intérêt un peu, non? C'est la même chose, mais c'est plus rapide. Il y a les mêmes inconvénients. Non, alors, là, il y a des contraintes. Il faut que les disques fassent la même taille. Ah, ok. C'est là où le fractionné de tout à l'heure, où j'avais dit, il y a un disque de 1 Tera, un disque de 500 et un disque de 128. Si tu veux faire un RAID 0, tu auras juste une bande de 128 Go. Donc tu vas perdre de la place sur les autres disques durs. Okay. C'est ça. Mais effectivement, le volume fractionné, c'est vraiment c'est la dernière chose à utiliser en fait. C'est quand tu n'as plus d'autres solutions. Le fractionné, il n'écrit pas en même temps. Ah non, c'est nul. C'est nul en vitesse et c'est hyper risqué. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le... C'est je voulais expliquer parce qu'il est dans la liste. Hein. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui allait me demander, c'est quoi un volume fractionné? Je le dis, mais l'utilisez pas. Hein. Ok? Donc voilà, le RAID 0, pas mal, vraiment bien pour la vitesse.
Très dangereux. Très dangereux. Alors, c'est minimum 2 disques. Hein. Là, sur mon schéma, j'en ai mis 3. Mais il faut au moins 2 disques durs pour qu'ils lisent et l'écrivent sur les deux en même temps, en fait. Ça double les vitesses. Donc, je te dis pas, quand t'as des disques NVMe, tu commences à faire du RAID 0 sur des disques NVMe, ça bastonne. Hein. Parce que déjà, c'est ultra rapide comme stockage. Là, faut... Et c'est pour ça, aujourd'hui, des choses du RAID 0, les disques durs NVMe, par exemple, sont tellement rapides que... Qu'est-ce que vous allez gagner? J'ai souvent des gens qui comparent le démarrage de Windows, par exemple. J'ai démarré Windows sur mon vieux disque à plateau, sur mon SSD normal, sur mon NVMe. Bah, tu vas faire le démarrage Windows disque à plateau, ça met 1 minute. Sur un SSD, ça met 30 secondes. Et sur ton NVMe, ça met 20 secondes. Enfin, t'as gagné 10 secondes. Tu vas gagner rien, parce que si tu mets ça sur un RAID 0, tes 20 secondes, ça va devenir 15 secondes. Alors, si c'est pour gagner 5 secondes, tu vois, c'est rien. C'est-à-dire que maintenant, l'écart qui va se passer, c'est tellement faible que sur les SSD aujourd'hui, tu double-cliques sur un truc, c'est instant. Ça s'ouvre tout de suite, c'est déjà ultra rapide. Donc là, c'est vraiment des cas très très spécifiques. Le jeu en vaut-il la chandelle? Je suis pas sûr. Le disque dur ou SSD, oui, c'est impressionnant. Oui. Enfin, quand on est passé du plateau au SSD. Est-ce que sur certains serveurs, peuvent mettre des disques durs en RAID 0 et avoir une redondance derrière pour... Oui, on va le voir. Qui font ça. On va le voir. Bah, parce que je crois qu'on n'a pas fini la liste. Hein. Parce que là, je crois que... on a fait nouveau volume fractionné, dégueulasse. Ça, non, on le fait pas. Volume agrégé par bande, super. Ultra rapide, mais c'est dangerous. Nouveau volume en miroir. Qu'est-ce que c'est que le volume en miroir? Tac, tac, tac. Allez, je vais descendre un peu. Le volume en miroir. C'est hyper simple. Ah merde, j'ai pas plus de capture d'écran. Hop. Tu peux remonter vite fait, je prends une capture d'écran, s'il te plaît. Hein? Merci. C'est bon? C'est good. C'est good. Donc le principe du disque en miroir, c'est quoi? J'ai un disque dur, 1 Tera, il y a des datas dedans. Bien, vous mettez en miroir tout le contenu du premier disque dur sur le deuxième. Attention! Dans vos explications, dans vos notes, vous ne m'écrivez jamais que c'est une sauvegarde. Le volume en miroir, ce n'est en aucun cas une sauvegarde. Non, c'est pas une sauvegarde. C'est une réplication. Et le petit nom du volume en miroir, c'est ce qu'on appelle un RAID 1. Donc ce qui se passe, c'est que les données qui se trouvent sur le premier disque dur vont être synchronisées, vont être répliquées sur le deuxième. Ce qui fait que quand tu supprimes du 2, ça supprime du 1. Non, alors, tu ne fais rien sur le 2. D'accord. Tu n'agis, tu n'existes, tu ne travailles que sur le premier. Ça veut dire que si tu crées un nouveau fichier sur le premier disque dur, il est créé sur le deuxième. Si tu supprimes un fichier sur le premier, il est supprimé sur le deuxième. Si un méchant virus arrive sur ton premier disque dur, il arrive sur le deuxième aussi. C'est une synchronisation, c'est une réplication. Et c'est pour ça que le RAID 1, ce n'est en aucun cas une sauvegarde. Parce que si je supprime sur le premier, ça supprime sur le deuxième. Donc le RAID 1, l'objectif du RAID 1, ça s'appelle la redondance. C'est quoi la redondance? Les données existent à deux endroits à la fois. L'objectif de la redondance, c'est le disque dur numéro 1 tombe en panne. Est-ce que vous avez perdu l'intégralité de vos données? Non. Elles sont sur le deuxième disque dur.
Donc je peux repartir sur mes données. J'ai rien perdu. L'objectif du RAID 1, il n'y en a qu'un seul. Pallier à la défaillance d'un disque dur. Ça ne sert qu'à ça. Le RAID 0, l'objectif, c'était la vitesse. Je veux un stockage extrêmement rapide. Je fais du RAID 0. J'ai besoin d'un stockage sécurisé. Parce que si mon disque dur tombe en panne, je perds tout. Je veux prévoir. Je veux prévoir, anticiper la défaillance d'un disque dur. Je monte un volume RAID 1. Et vous le voyez tout de suite, la contrainte du RAID 1. Il vous faut au minimum deux disques durs. Enfin, j'ai dit au minimum et maximum. De toute façon, un RAID 1, il faut deux disques durs. Point. Ni plus ni moins. Dans l'exemple qui est dans le streaming, vous avez acheté combien de teraoctets ? Deux. Vous pouvez en utiliser réellement. Un. Le RAID 1, ça vous consomme 50% d'espace disque. La moitié de ce que vous avez payé, ça sert à la redondance. Ça sert à la sécurité. Oui ? C'est obligatoire aussi qu'ils aient le même volume ? C'est pareil, oui, il faut qu'ils aient le même volume, bien sûr. Si tu as un disque de 1 Tera et un disque de 2 Tera, tu peux mettre en miroir que 1 Tera. Tu ne peux pas sécuriser 2 Tera dans 1 Tera, c'est pas possible. Mais il faut qu'ils aient la même taille. Ou alors tu peux prendre un disque de plus gros, mais du coup tu sais. Tu sécuriseras que le petit. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais du coup, si ça. Si le volume il va que sur le premier. Sur, si le stockage, pardon, il prend de la place que sur le premier. Il prend pas de la place que sur le premier. Il prend de la place sur les deux. Je répète comment ça fonctionne. Quand tu mets un fichier sur le premier disque dur, ce fichier il est créé aussi sur le deuxième. Donc, tu as la même place utilisée sur les deux. Mais t'as dit qu'il utilisait que 50%. Oui, c'est normal. Tu as acheté combien de terras là ? Deux. Tu peux en utiliser combien ? Bah, je peux en utiliser qu'un. Un. Est-ce que un, c'est la moitié de deux ? Oui. Ben voilà, ça fait 50%. 50%, c'est la moitié. Mmh. Non, tu n'es pas convaincu. Parce que je ne comprends pas. Tu l'utilises quand même, ton deuxième. Parce que, alors, du coup, c'est tu as raison, parce que tu l'utilises pour la redondance. Mmh. Mais alors, je vais poser la question différemment. J'ai acheté combien de terras ? Deux. J'ai acheté 2 terras. Je peux stocker combien de terras de vidéos sur mon volume RAID 1 ? 1 tera. Ben voilà. Ok. Utilisable, t'as que la moitié. Mmh. Pourtant, t'as acheté 2 terras, mais tu peux mettre qu'un tera de vidéos dedans. Parce que le deuxième tera, ça sert à la redondance. Ça sert à la réplication, à la synchronisation entre les deux. Okay. C'est ça l'objectif. Donc, un grand classique, ça pourrait tout à fait être dans mon environnement de travail, j'ai un volume RAID 0 dans lequel j'ai mes logiciels, mes applications, mon Windows, ce qui fait que dans mon quotidien, mon système est extrêmement performant au niveau vitesse. Donc, je peux faire mon montage, ça va hyper vite. Mais les vidéos que je crée, je les enregistre dans mon RAID 1. Comme ça, toutes mes vidéos montées, elles sont dans mon volume d'un tera. Et si ce volume tombe en panne, aucun problème, j'ai une redondance. Je les ai en double. Donc, si le disque dur ici tombe en panne, c'est pas grave. Je perds pas mon travail depuis X années. Avec le RAID 0, je perds un disque dur, je perds mon travail d'aujourd'hui. Ce que j'étais en train de faire. Et il faut réinstaller mon Windows, etc. Bien sûr, j'ai des contraintes. Mais au moins, c'est super rapide. Un des deux disques en RAID 1, s'il y en a un qui flanche, l'autre, on peut le monter comme un disque standard. Il va mais exactement, mais ce sont des disques standards. Il va être, enfin, il a, ouais, c'est ça l'idée. Pas besoin de remettre un disque neuf. Non. On récupère le disque, il est plein. J'ai quand même des gens qui utilisent ça pour cloner des disques. Ils veulent faire un clone d'un disque dur, ils veulent faire copier-coller, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent un miroir, ils font un RAID 1 de l'original, le miroir se met en réplication sur le deuxième, et ils ont une copie, ils ont un clone, puis ils partent avec le deuxième, mais ils l'ont complet. C'est une autre technique. C'est une technique de clonage. Non, ce que tu es en train de dire, qui est intéressant aussi, c'est que finalement, tu peux faire plusieurs techniques de RAID sur ton même PC. Bien sûr, tu peux mélanger. Alors par contre, évidemment, faut plusieurs disques durs. Si tu n'as qu'un seul disque dur, hein, on revient à la conversation, tu peux juste faire rien. Mais là, si je te dis, je souhaiterais mélanger
je souhaiterais mélanger du RAID 0 et du RAID 1. Il faut combien de disques durs au minimum? Tu veux faire quoi? Je veux mélanger du RAID 1 et du RAID 0. Il faut combien de disques durs au minimum? 4. Il faut 4 disques durs. Parce qu'il faut au moins 2 disques durs pour ton RAID 0, ouais. Et il en faut 2 pour le RAID 1. Ouais. Donc il faut 4 disques durs. Là, tu as les mains les sous, hein. Mais voilà, t'as peut-être récupéré des disques durs. Ah, ça finit par faire cher tout ça. Ah, si tu fais du montage, t'as la moula. Normalement. J'ai compris que tu vends les vidéos là. Si tu t'appelles James Cameron, Monsieur Cameron, je veux dire que. On finira après la pause la suite. Là, j'ai soif, hein. Non, j'arrête pas de parler. Hein. Allez, petite bière. Oh, si seulement. Tu sais que c'est déjà arrivé dans vos prédécesseurs, hein. Mais pas le matin. Bah, la tireuse. Mais pas le matin. Ah, quand il y a la tireuse. Il l'avait vu. Hein? Il l'avait vu où, la tireuse? On l'avait mis dans la... là où vous mangez. On peut ramener une tireuse. Faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes chez vous? Moi, chez la raclette, on peut. Hein? Ah bah ça, on l'a fait plein de fois, la raclette, hein. Là, puis c'est la saison qui arrive, hein. Avec un de vos prédécesseurs, il y a une session, on avait fait 3 raclettes, je crois. Moi, j'ai même l'impression qu'il y a la demi-meule, là, pour moi. Oh, la vraie. Ah, la vraie. Ah, ça, c'est la vraie raclette. Tu vois ça, oh, là, ça. On en parlera pour la pause. Ça, c'est... Mais non, tu l'amènes, hein. Non, tu l'amènes demain, alors. Alors, demain midi, raclette. Qui s'occupe de patates à charcuterie. Oh là 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 là, c'est pas bon pour mes triglycérides, ça. Ah, là, là. Arrête. Ah non, mais faut que tu m'aides, là. Non, tu m'enfonces. Bon, allez.